Oh la vache! Pas de niveau, merci. Non. Oh merde. Tiens. J'ai vu gamin. Oh la vache, ok, là on est dans la merde. Ça les stun? Mais merde, oh okay. Ok, là on va recommencer là, parce que là c'est pas bon. Là. J'ai mis des 3 en niveau 2, là par contre ça va, on va en chier. Okay, là c'était très mal joué. Là, par contre je suis dans la merde. Il n'y a que ça passe. Ok, quand il lance la hache, quand il est en animation de lancer, on peut pas protéger. Il faudrait pas que je les touche en même temps en fait. Ou alors je les touche les 4 en même temps. Ok, là c'est bon. Pas de buff, pas de buff. Pour rien là. Ok. Un truc. Yes. Ouh. Non. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il avait la vie baissée lui? Je l'ai touché déjà ou pourquoi? Bizarre.
Les drogues. Ouais, c'est ça. Tes guerriers morts dans l'âme étaient trop déchaînés pour cesser. Comment ils repoussent les Valkyries reviennent chercher. Okay. Il m'a dit des armes mortelles, mais ils ne les maîtrisent pas, contrairement à Père et sa hache. Il est facile, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé pour toi, Marcus. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette grille. Ouvrons la grille. Là. Elle gèle la hache en fait. Ça. Force qu'il a pour viser L2 pour lancer la hache. Tu veux que je la lance la hache là? Ah, j'ai. Tu l'as figé. Pas bête. Ah, pas mal. Bon. Bien joué. Sympa. Sympa. Où est-ce que tu vas? Je crois qu'il est parti par là. C'est quoi? Il n'en a plus l'utilité. Nous aussi. Il y a quoi là-haut? Ah, le gosse il s'est accroché à moi. J'ai cru que le gosse m'avait traversé, genre monté tous les deux en même temps, mais en fait non, il s'est juste accroché, quoi. Oh. On avance. C'est toujours pas comme ça qu'on ouvre les coffres, hein, mais... ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde, c'est Scoléati, les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent? Comment ils sont arrivés là-haut? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Ils dévorent le soleil et la lune et après ça, tout le monde se bat. De la dieu. Chaque fresque relate l'histoire d'un géant légendaire. Trouvez toutes les fresques. Derrière les fraises remplaçant les événements de l'histoire. J'adorais les légendes que mère me reconnaît, je me demande combien il existe. Ce qui est marrant, enfin ce que j'aime bien, c'est que... En fait, c'est l'enfant qui écrit tout ça, tous ces messages. Sympathique. Les loups géants. Sympathique. Ok, là on est revenu ici. Par contre, je voudrais bien pouvoir aller dans... Dans cette zone-là. Là, il y a des murs. Murs. Ça? Non. Ok. Là, ça veut dire que je peux pas passer la hache. En fait. Ça. Ah! Oh, oh. C'est quoi ça? Bon, on récupère le truc de vie ou pas? Non.
Et sûrement le regretter. Enfin, non, si, on va le prendre. Allez. Je voudrais le garder au cas où, mais on va le prendre. Ah! Pousse-toi, gamin! Salut, qui va? Bienvenue. Ça va, God of War en mode God of War, c'est cool. Père, regarde. Et toi? Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible, vide ton esprit. Ah, maintenant, je suis le gosse. Détends ton bras et inspire. Putain, c'est horrible. Bien, ramène la corde à ton menton. Expire et lâche la corde. Oh, je l'ai eu. Bien. Oh. Il est encore en vie. Ah bah ah oui, il est encore en vie. Oui. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. J'y arrive pas. Les mains qu'il a comparées au gosse, quoi. Prêt pour ça. Flèche d'Atreus. Appuyez sur le carré pour ordonner à Atreus de tirer des flèches. C'est un ennemi spécifique. Les ennemis touchés par les flèches interrompent leurs attaques contre Kratos. Ok, ça marche. Le nombre de flèches que vous pouvez tirer est indiqué en bas à droite. Ok, ça se recharge. Ok, ça marche. D'accord. Dis-moi quand tirer. Ok, tire. Ok, ça sert à rien, c'est cool. Tire. Sympa. Il est trop fort. Par contre, il a des marques. Des marques bizarres pour le corps. Attention.
Watch. Tête. Écarte-toi. Oh, tu s'énerves. Quoi? Je l'ai esquivé celle-là. On est reparti. Un troll, gamin. Écarte-toi. Non, non, non. Attention, père. Loin. Attention. Pas lui arracher son truc et le planter dans la tête, son obélisque là. Ah.
maîtrise tes émotions, Atreus. Petit, prends des flèches lourdes. Prends des flèches de glace, prends des flèches de feu. Non! Putain! Gamin! Tank! Non, merde. Mets-toi derrière moi! Te mets pas derrière moi! Pas la tête! Ne t'approche pas de lui, Atreus! C'est bon, tu t'arrêtes? Maîtrise tes émotions, Atreus. Je vais bien! Tue-le! Vas-y, fais-moi ton... Crever maintenant. R3. Bien fait pour toi. Atreus. Gamin, arrête-toi. J'ai peur de personne. Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus, regarde-moi. Moi aussi. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Quoi? Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait une preuve. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Eh ben... GG, merci. Je suis prêt. Je ne veux plus t'entendre. Silence. Silence, gamin. Qu'est-ce que je viens de faire? Bon, tu es 3 trolls, tu es 6 trolls. Oh la vache. On a des éliminations à faire aussi. Okay. Le chemin vers la maison est par là. Ah ok. C'est tellement bizarre son... quand il se retourne. Par là. Okay. Oh, rapide. Je pense que j'aurais dû garder la vie pour plus tard. La jauge de supervision des ennemis se situe sur, sous leur jauge de santé. Lancer une série d'attaques répétées contre un ennemi pour infliger des dégâts d'étourdissement qui permettront à la jauge de se remplir quand elle est pleine. L'ennemi est étourdi. Appuie sur OK, ça marche. D'accord, ça c'était donc ça c'est nouveau. Les flèches et les attaques à main nue infligent des dégâts d'étourdissement supplémentaires. Kratos peut passer en mode main nue en lançant sa hache. Ou en la rengainant. Ah, ok. Donc. Oh,
Ok. Donc taper à main nue, ça va étourdir beaucoup plus, apparemment. Ok. Ça marche. Ouais, la jauge est complètement... Enfin, augmente énormément plus vite. On est dans Doom, c'est énorme. Ah ben ça va beaucoup mieux hein, quand tu me donnes tous les outils pour combattre. Hein. Ah, c'est beaucoup mieux. Hein. Ah merde, putain, c'est de la vie, fais chier. Ok, donc il va falloir juger en fait. Toujours pas ouvrir les portes, hein. Silence. Taper à la hache ou taper au poing. C'est bien. T'es prêt, gamin? De quoi? Où? D'où tu touches? Je perds pas de la vie quand je fais des finishing comme ça. Il est en feu le truc. Par contre j'en voudrais bien des différents. Kratos, fais autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je te demande. Certains ennemis sont résistants aux attaques. Ah, Léviathan. Ah ouais. Je viens de voir ça. La forêt était différente. Et je t'ai dit de te taire. Quelle est cette chose de dire un pillard, mais sa voix était étrange, même père ne sait pas. Ça c'est le troll. Marchand de mort. Je dirais pas assez, le gameplay est top, mais vraiment top. C'est bon, on est à la maison. Pourquoi un troll de feu voudrait brûler le jardin de maman? Et depuis quand les drogars s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqué? Je ne sais pas. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. T'en poses trop des questions. Allez, rentre.
Allez, gamin. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il récupère les cendres. Pour le moment, la difficulté God of War, donc en gros extrême, est très faisable, mais c'est vraiment le début, vu que c'est un tutoriel, on n'a pas toutes les attaques en fait. Genre les finishing moves, tout ça, on les a pas, maintenant je les ai, je viens juste de les avoir et tout. C'est très possible, mais le début est dur. Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Bien. Très bien. Il y a quelque chose avec la maladie, mais qu'est-ce qu'il a? Alors, vas-y. Tu veux que je te frappe? Je veux que tu essaies. Aïe! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit! Encore! Cette colère... Tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça? Silence. Un dragon? Sors de là! Des humains? Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. C'est qui ça? Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages... Tellement meilleur que nous, tellement plus brillant. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Pars. De chez moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Ah.
Tu aurais dû écouter. Non. 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 On dirait Joseph. D'accord. À mon tour. Oh, ok.